Allez, c'est parti, protège les gourdes de moi. Normalement, on va faire un match. Bisous. Allez, bisous, à tout à l'heure. À tous. Bah déjà, l'année dernière, en fait, j'ai passé mon BEF. J'avais vraiment envie de le passer. Et donc, je m'occupais un petit peu des U17 avec William Levert, entraîneur des gardiens. Et cette année, voilà, j'ai voulu suivre un petit peu mon fils qui joue en U6, U7. Et voilà un petit peu comment ça a démarré. J'aime bien un peu transmettre... Tu peux m'en savoir, même si à cet âge-là, c'est plus voilà, leur faire prendre du plaisir, les faire progresser tout au long de l'année et les faire grandir, tout simplement. Tranquille. Allez, top. Tac, 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 tac. Hop, t'es à fond. Top. Tac, 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 et je repars. Bien joué. C'est bien, en fait. Oui, très bien, Lucas, bien joué. Mais moi, c'est un truc que j'ai toujours apprécié bien faire. Joué, ça. C'est un truc que je kiffe. J'aime bien être entouré, encadré d'enfants. Essayer de créer une petite relation entre les gars de la première et l'école de foot. C'est quelque chose qui me passionne assez, que j'ai éventuellement envie de faire dans mon après-foot. Donc forcément, c'est quelque chose vers quoi je me dirige assez facilement. C'est bien les enfants. Eh, ça c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est un ballon. C'est notre copain. Et notre copain, on doit pas le laisser quoi? On doit pas le laisser s'échapper. Ah, on doit pas le laisser s'échapper. Et après encore? On a aussi un rôle un petit peu d'exemple. Donc c'est important de redonner ce que même nous étant plus jeunes on a eu. Pour moi c'est important de transmettre mon vécu. Bah, je suis issu d'une famille assez nombreuse. Et on aide toujours son petit frère en bas. Donc forcément pour moi c'est important de véhiculer une image bonne sur le terrain. Mais aussi de venir et d'essayer de leur donner 2-3 conseils, vu que, un peu comme on voit, ils viennent, ils nous posent des questions, c'est des enfants qui nous suivent. Donc, de créer ce lien, ça rejoint un peu le projet du club qui veut être un club familial. Donc, ça aide, vraiment, ça aide tout le monde et nous les premiers, de toute façon. J'avais déjà ce goût pour entre guillemets transmettre et partager des choses. Et c'est vrai que là, ça a été un accélérateur. Et cette année, on nous a proposé des missions au club, comme chaque année où on arrive en fait. Et cette année, je voulais être plus proche des terrains. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas être plus présent sur les terrains avec Yohan, avec Romain. Et du coup, cette année, je m'occupe du centre de perf et je suis aussi sur les 17 avec Romain et Yohan. Donc c'est un partage hyper intéressant. Ma première intention, c'est d'aller de l'autre côté. Si je peux un coup, j'y vais. Si je peux pas, je sors la balle et on y va en deux. Ok les gars, si vous faites ça, ça vaut un point. Si vous marquez derrière, ça compte double. Ok les gars? Moi, quand je parle avec des 17 aujourd'hui, ils sont proches de devenir des adultes en fait. Et du coup, leur façon de voir les choses, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être un joueur de la N2? Donc là, cette question, je ne sais pas combien de fois, mais c'est... Je suis content parce que je me dis que si je ne leur avais pas donné la chance, moi, d'y aller et d'échanger sur le sujet, qui leur aurait répondu en fait? Et ça me permet aussi de les mettre en garde sur le foot qu'on vit nous aujourd'hui. Parce que oui, il y a des avantages, mais il ne faut pas se cacher, il y a aussi des contraintes et des exigences qu'il faut absolument s'intégrer et s'appliquer, sinon on n'existe pas longtemps et c'est vrai que ça peut créer des fausses routes auprès des joueurs. Donc ouais, on échange beaucoup sur ça, sur la rigueur qu'il faut, sur l'état d'esprit qu'il faut y mettre et surtout sur la volonté au fond de nous, être persuadé qu'on veut en faire notre métier. Donc ouais, ça je trouve ce relationnel et cet échange hyper intéressant et j'apprécie moi le fait qu'il soit pas loin d'accéder au monde senior parce que c'est hyper enrichissant. Il va la rater là. Voilà comment on tire des pénalties. C'est des amateurs. Voilà les gars.
fait, ce que nous faisons dans un premier temps avec ces enfants, qui sont au nombre de 18-20 à peu près, nous les avons sur le premier trimestre ensemble, nous les évaluons. Et ensuite, à partir de la deuxième partie de saison, nous faisons des groupes de niveau avec des groupes restreints à l'entraînement qui ne vont pas aller au-delà de 8. C'est bien les bleus. C'est bien tout le monde. Dylan, t'as vu là la prise d'info? Faut que tu lèves la tête vite. Tu vois, prise vers l'avant, tu dois regarder au centre. Ok? Parce que là, prise de balle, t'as encore la tête dans le guidon. Tu vois pas ton coéquipier là-bas. Ok? Mais c'est bien. C'est bien Gabi, excellent. T'as gardé le ballon, t'as attendu tes copains qui se redéplacent. Et après, t'as fait la passe. C'est très très bien Gabi. Très très bien. Je suis plus dur avec mon fils qu'avec les autres. Après, même si avec les autres, je suis plus dur, voilà, je regarde aussi le niveau de l'enfant. Quand j'estime qu'il peut faire mieux, je suis dur avec lui. Mais c'est vrai qu'avec mon fils, ouais, j'essaye d'être dur, mais pas trop non plus. Lui donner de la confiance et voilà, surtout qu'il s'épanouisse et qu'il prenne du plaisir. Après, le reste, ça viendra avec le temps. Moi, je voulais vraiment qu'il fasse ce qu'il aime. Mais après, c'est vrai que bon, bah, je l'ai orienté quand même un petit peu beaucoup. Et voilà, bah, ça lui plaît, surtout que ça lui plaît. Donc voilà, il est fou du foot, donc moi, c'est parfait pour moi. Allez, quand t'es là, je pars en fait. L'idée, c'est de voir où en est justement leur apprentissage par rapport aux autres clubs, par rapport aux clubs du secteur. Ce qui nous permet de faire une évaluation, chaque plateau nous permet de faire une évaluation pour la préparation du prochain cycle d'entraînement. Rentre avec le ballon, Youn. Va vers l'avant, mon grand. Encore, encore, Axel avec. Bien joué. Ok, dommage. Louise, c'est bien. Il est en avance avec l'équipe. Fais l'effort. Surtout, yo. Oui. C'est bien les enfants. Les premières valeurs qu'on essaie de leur transmettre, c'est le bonjour, le au revoir, le merci, le s'il te plaît. Donc au-delà de construire des petits footballeurs, on construit aussi un petit peu des hommes. Donc si on n'a pas un bon message, si moi le premier, je suis pas dans des valeurs de respect et de principe, d'éducation, ben forcément je pense que les parents ne respecteraient peut-être pas cette limite. Donc les parents respectent ça et ça fait partie aussi de la progression du gamin. De comprendre que quand il va au foot, eh ben, c'est son moment à lui, avec son éducateur. C'est très très bien. Je suis très content de ce que vous avez fait. D'accord? On a essayé de se faire des passes, on a essayé de jouer ensemble. Oui, je sais Axel, t'es déçu parce qu'on perd. Et c'est bien que t'es pas content parce que tu gagnes pas. C'est bien. Mais on apprend. Comme tu m'as dit une fois, tu te souviens ce que tu m'as dit? C'est l'école de foot. Donc on apprend. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On apprend. Et bien au foot, on apprend aussi à perdre, à gagner. Et quand on gagnait au début, t'étais content. Mais il faut aussi apprendre à perdre. On gagne pas toujours. Hicham et Samir apportent leur expérience de joueur, un regard un petit peu différent. Et les enfants qui vont les voir, bien entendu, jouer le samedi, idéalisent un petit peu et ont envie de jouer comme eux. Donc c'est très très intéressant pour nous, pour la formation. C'est un kiff de voir les enfants te créer au stade, de créer ton nom et de voir que, bah, qu'ils te suivent et qu'à la fois, bah, ils t'engueulent aussi parce que le mercredi, ils viennent et te disent « Ah, mais t'as pris un carton jaune, ah, mais t'as fait un mauvais contrôle, t'as fait une mauvaise passe. » Donc si tu veux, ça te garde en alerte et c'est assez agréable parce que t'essayes d'appliquer ce que tu leur dis et surtout t'essayes de faire bien pour que eux derrière,
quand tu leur dis un truc à l'entraînement, ben, ils fassent aussi bien que toi. Inch'Allah. Allez, venez les enfants. Allez, ça on a un rapport particulier avec ces gamins. Moi, j'ai une attache particulière avec tous les gamins du club parce que, comme je t'ai dit, je visite plusieurs catégories, donc je connais tous leurs prénoms et c'est un kiff. Mais tu vois, demain, je sais que si je pars, faut pas croire que ça me fera pas un pincement. Bien sûr que ça me fera un pincement parce que les gamins, ils sont là. Eux, ils ont rien demandé. Ils te voient comme un sorte d'exemple, un sorte de repère. Et tu continues, tu essaies de t'impliquer dans ça. Et tu fais ton travail au maximum. Et après, bah, écoute, advienne que pourra, comme on dit. Mais oui, pour l'instant, je suis là, je suis bien là. Et je vais continuer à m'impliquer et kiffer avec les gamins. Ça, c'est une certitude.